bang movies. How the fuck? It's your dad going as you were anyway. Back to another goddamn video, man. Hello. Bang movies, man. Alright. But I wasted time. I wanted to laugh a little bit. So we're going to check out Greg Gulli on the worst trainee ever. The Baker. We're going to do part one and part two for this video because it's getting late and I got to do some things today. But let's check it out. C'est Greg qui est là. Il y a de l'exclus dessus. Ceci était une séquence ASMR. Dans ce premier épisode, on se rend sur la complicité de son patron Nicolas. Nicolas a fait croire à John qu'une célèbre chaîne de télé l'avait contacté pour lui proposer de faire un reportage CP pour lui expliquer que le concept de l'émission était de suivre plusieurs stagiaires le temps d'une journée dans la découverte de différents métiers. On a ainsi fait croire à John, une journaliste soi-disant de la chaîne. Lors de leur entrevue, elle lui a fait passer sous les yeux des photos des stagiaires candidats. On a déjà vu quelque part, vous. Je le connais, lui. Il fait des stages un peu farceurs. Précisons que soi-disant reportage complice, le seul piégé de cet épisode. Son patron, ses collègues, ainsi que la personne qui va jouer. Du coup, le magasin. 6h30. 6h30, ça va. Vous me dites même si en travaillant, il faut que j'explique ce que je fais, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. He's rich there. Bonjour, John. Je suis pâtissier. Je suis Louis, je viens pour le stage. Je dois avoir l'air d'un vieux soulier à l'heure qu'il est. Est-ce que je peux avoir un coup de cirage, s'il vous plaît? Je ne pensais pas être photographié de si bonne heure. I'm dead. D'accord. On va vous présenter... Vous me prenez au saut du lit, je risque de tomber dans les bras de Morphée souple. D'abord, John, tu présentes, pardon? Tout de suite. Parce que là, c'est pas pour le faire. Je vais pas rester comme ça. The price already, it's only like 3 minutes here. That man is already pissed. Vraiment, je préfère. C'est de l'ingotin. Ouais. Faites-vous des macarons? Oui. Mais alors, ici même, dans votre bourgade, vous faites des macarons? Parce que la fille, vous appelez le bourgade. Cette campagne. Parle normalement. Parle normalement. S'il te plaît. Il fait des macarons partout. Est-ce qu'à Paris, nous en raffolons? Je suis un peu perturbé par le discours de Monsieur Johnny. Et moi, c'est Johnny. Oui, mais... Tu me rappelles Johnny, ça va pas le faire. Je te dis tout de suite. Hein. Je comprends, mais ma famille a une belle dynastie. Je ne pense qu'on ne peut pas... Merci. Nicolas... Le patron. Bonjour, vous êtes le patron. Ouais. Et sinon, j'ai la tenue pour... Ah non, je refuse l'univers. Allez, on va faire les tartes aux fraises. Je vais t'en montrer une, et puis après, hop... Tu feras les autres. Hop, tu mets les fraises. Moi, je m'en fous de qui tu connais. Je connais Madame Delphine Arnaud. Ouais, je connais Monsieur Pierre. Non, mais c'est bien, cousin, genre, rien à foutre. Nous sommes pas cousins, nous sommes simplement collègues. Non, mais quand ça commence à parler comme ça, c'est que ça commence à monter grave. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te dis comment faire une tarte aux fraises. Oh, on ne parle pas de si on a pris une douche ou de. Quand tu parles comme ça, tu fais genre t'es intelligent, t'es de la haute classe, ça va. Montre que t'es intelligent, t'adaptes-toi à nous. Je suis de la haute. Voilà, t'es de la haute. T'es de la haute couture. Voilà, c'est bien. T'as quel âge? J'ai 30 ans. J'en ai 34. 35 bientôt, d'accord? Je pense qu'on pourrait quand même s'entendre. Ah, je ne vois aucun problème. Bon, et alors, s'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Allez, fais ta tarte aux fraises maintenant. Et hop, tu continues à faire. Quand vous avez fini les tartes aux fraises, vous me prévenez, on les enfondra. Tu vas mettre des tartes aux fraises dans le four? Oui. C'est pas cinglé, toi? Vous comptez les servir comme ça? Bien sûr. Il faut les réchauffer avant. Eh, c'est qui le pâtissier ici? C'est vous et moi. Non, c'est moi le pâtissier. C'est comme ça qu'on fait les tartes aux fraises. On passe pas une tarte aux fraises au four, t'es un malade. Ah, je crois que là, je sais pas qui peut me renseigner là-dessus, mais je crois que oui. Hein. Mais t'es sérieux, toi? Tu veux qu'on appelle Pierre Hamet pour voir s'il passe ses tartes aux fraises au four? Non, c'est non, on l'a jamais fait. Eh, les tartes aux fraises, elles vont au four, chef. Ouais. Tout va au four. On va tout faire à la maison, toi. Hein? J'avoue être un peu oisif. Hein? Regarde. Bon, bah, je préfère les balades entre amis sur le port de Dinard. Sur le port de Dinard. Prendre des drinks avec des amis. Des drinks? Oui. Tu vois, je dis pas des verres. Ce sont quelques mots d'usage entre gens de la même caste. Ouais, bah arrête un peu tes gens de la même caste. Alors comment faites-vous pour combler l'ennui ici sans internet? Non, y a pas d'ennui. Mais j'ai internet chez moi. Ah, vous avez internet? Ben oui, hein, tout le monde a internet. Hein. Vous mettez un câble qui vient de la capitale et qui va jusqu'à chez vous? T'es sérieux dans ce que je dis? Ouais, j'aime bien Paris aussi. Et je suis revenu ici pour la famille et franchement, en campagne, c'est moins stressant que Paris. D'accord. Le métro, tout ça. Toi, tu peux pas connaître le métro. Non. Toi, tu viens en Jaguar. T'es de la haute, cousin. Je ne suis pas cousin. Non, non, mais moi, c'est ma. Ah d'accord. Toi tu dis avec tes vitales et tes épices, tout ce que tu veux, moi c'est comme ça. Et je parle gentiment, je n'insulte pas tout ça. Mais à un moment donné, ça monte, tu comprends. À un moment donné, il parle d'hygiène, tout ça, tu sais ce qu'il a fait? Il a carrément mis le doigt dans la tarte. Tu l'as appelé tarte aux fraises? Salut. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Bonjour. Je vous prierai de ne pas rester dans le champ, merci. Yo! Je préfère. Voilà, ça se voit. Très bien, mais non, mais jeune homme. S'il vous plaît. Non, hey, tu dis pas jeune homme, jeune homme. C'est moi chef ici, je t'ai déjà dit. Il m'a dit. Reste tranquille avec lui. Hein. Là, je te montre comment. Il vient de revenir. Il revient pas. Je te dis comment on a pris une tarte aux fraises. T'as compris? Regarde, tu fais comme ça. Et après, tu mets ta tarte aux fraises comme ça. Est-ce qu'il y a un clubhouse? Mets les tartes aux fraises dans les caissettes, s'il te plaît. Il n'y a pas de clubhouse. Il y a un clubhouse dans le coin? Il n'y a pas de clubhouse. Mets les tartes aux fraises sur les caissettes, s'il te plaît. S'il te plaît.
Merci, monsieur Johnny. John. Vous ai-je dit que mon père m'a appelé Louis en référence à la monarchie? Je ne suis pas peu fier de porter le même prénom que le roi Soleil. T'as une meuf? Je préfère me garder pour le mariage. Tiens. Ah ouais, carrément. Je ne perdrai pas ma chasteté avant le mariage. T'es sérieux, toi? Oui. T'as encore... Bah, ça doit te démanger quand même un peu. Je vous avoue que parfois je me tire un peu sur la bistouquette, c'est la question que vous posez. Bah oui, je pense, hein. Vous avez fait l'amour avant le mariage? I like how Mitchell, he always like entertains them, like give them a reason to laugh and be calm for a little bit. Then he go crazy again. That's smart, so they don't just blow up Mitchell and ruin the whole thing. Bah heureusement. J'ai découvert ce livre l'année dernière. À 29 ans? Bah putain. Allez, vas-y, on va passer au magasin, s'il te plaît. Allez, go. Fi. Il faut savoir qu'adossé à la boulangerie se trouve le domicile personnel du patron qui est complice du piège. Là, je vais aller me servir dans son propre frigo et c'est la productrice qui va en avertir John. Eh, hey, tu te sers pas de coca comme ça? Attends, on va reprendre direct. T'es pas à la maison ici. Je te le dis tout de suite, t'es pas à la maison. Tu me laisses ça. Ah ouais, blablabla. Non, mais attends, tu te rends compte un peu là ce que tu fais? C'est inadmissible, c'est irrespectueux. J'avais besoin de me servir un petit coca là. Ne sers pas chez les gens comme ça, gros. Je ne suis pas gros, j'ai de l'embonpoint. Ouais, de coca comme ça dans le frigo du patron, t'as va pas ou quoi? À la maison, je fais ce que je veux. Mais à la maison, tu fais ce que tu veux, mais hey, la maison, c'est pas. La terre, elle t'appartient pas. Hein. Je te le dis direct. Hein. Servez-moi un verre de coca. Mais s'il vous plaît, il est où là? Je n'aime pas qu'on mette des règles. Là, c'est chaud, hein. Wait. The way that man jump, you know that man be in the gym boxing some shit. He ready to lose that tense energy on this nigga ass. He better check. Alors, est-ce que vous pourriez mettre des gants quand vous faites ce genre de choses? Moi, je sais que me laver les mains depuis tout à l'heure. Vous avez fait pipi? Non, j'ai pas été aux toilettes, moi. Amenez des gants pour le jeu, monsieur. Non, mais j'ai pas besoin de gants, moi. Je vais vous amener des gants. Mais il est sérieux, lui? Je vais, à un moment donné, ça va partir en freestyle. Hein. Ça, c'est la poche à douille. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est breaking point is coming about your freestyle. Une petite touche hyper parcimonieuse. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous en mettez beaucoup trop. Non, j'en mets pas beaucoup trop. Parce que s'il y a un équilibre à respecter. C'est grossier. Ah bon? C'est grossier. Non. Ah ben là, c'est chaud quand même. T'es en train d'apprendre le métier, il est pâtissier. Tu vois l'idée là? C'est pas une raison pour se donner en spectacle. Moi, je me donne en spectacle. Parce qu'il y a les caméras. Moi, je me donne en spectacle parce qu'il y a les caméras. Mais t'es sérieux, toi? Je demande juste à monsieur Johnny de cesser ses simagrées. Eh, je fais pas de simagrées. Arrête un peu. Je vais te calmer vite, moi. Je suis pas ton copain, hein. Je te l'ai déjà dit. Hein. Bon, je prends l'air. Là, il va prendre l'air. Et il va pousser ce qu'il dit. Je fais tes simagrées, machin, nan, nan. Il faut qu'il se calme. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Moi, vous me connaissez, chef. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Un chausson aux pommes. D'accord. Monsieur Johnny, le chausson aux pommes. Ah, j'ai vu. Super drôle. C'est une blague que j'adore faire. Vous prenez une chaussure, vous mettez une pomme dedans et ça fait un chausson aux pommes. What does that mean? Ah là là. Le chausson aux pommes. Oh, I'm so mad I don't get this joke right now. Johnny. Eh, c'est John, moi, je t'ai déjà dit. Oui, le chausson aux pommes. Ouais, j'ai compris. j'ai compris. Vous avez rigolé? Ouais, j'ai rigolé, moi. Vous allez la refaire, vos amis. Non, je la referai pas, cette blague, je te le dis tout de suite. Vous manquez de sens de l'humour. Non, parce qu'elle était pourrie, ta blague. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais je n'ai pas compris la blague, je pense. Mais si, j'ai compris. Le chausson aux pommes. Ouais, mais j'ai compris, c'est le chausson. Le chausson aux pommes. Ouais, j'ai compris. Est-ce que nous pouvons faire la pause de façon isolée? Moi je me mets là tout nu, je suis désolé. Enfin, je suis même pas désolé, je suis désolé pour toi. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Mais exactement, on n'a pas élevé les cochons ensemble, alors fais attention. Je te le dis, fais attention. Je n'ai pas une tête à élever les cochons d'ailleurs. Je crois que je vais péter les coups avant la fin, je te le dis tout de suite. La patate, elle va partir à un moment donné, c'est sûr. Ouh, Bah t'as vu Lyon-Marseille, c'était chaud, hein. Ah c'est bien joué. Est-ce que nous pouvons discuter d'autres sujets qui ne ramollissent pas le ciboulot, s'il vous plaît? Attends, là je suis en pause, je parle de ce que je veux. Tout comme toutes ces émissions de divertissement, de télé-réalité, qui finalement sont une pollution pour le cerveau. Non, moi j'aime bien. Voilà, trois petits points, tout est dit. Voilà. Et toi, t'aimes quoi, toi? Tout est dit, je crois que nous avons tout dit, le tableau est dressé, le tableau est peint. Et toi, t'aimes quoi, toi? À part toi. J'aime écouter du Bach. J'aime aller jouer au cricket avec quelques amis lors de parties en dernier. Ouais. Tu vas t'amuser grave. Oui. Laisse John se reposer un peu, ça sert à rien. D'accord.
Faut bien que tu racontes sur moi, j'ai pas de bol quand même. Là, si je raconte ça, on va pas me croire, on va pas me croire. Bah c'est pour ça qu'il me faut une preuve, parce que là, c'est pas possible. Là, je pense qu'on va se faire une soirée, on va mettre la cassette et puis on va arriver. Ah ouais, s'il vous plaît, si je peux avoir le double, ce serait super. On va dire, putain, John, ce que t'as subi quand même, c'est chaud d'art. Vous fumez, monsieur Johnny? Monsieur John. Monsieur Johnny, c'est John. Monsieur Johnny. T'as du mal à retenir mon nom, pardon. Monsieur John. Je trouve ça un peu dévergondé, mais ne m'insulte pas. Non, je dis pas que John s'est dévergondé. Je vous attends en bas, nous avons du travail, monsieur Johnny. Mais c'est John, j'ai déjà dit. Il est sérieux. Jack, il a débarqué à la boutique, quoi. Il a un chauffeur, il est venu en Jaguar, hein, mec. On rappelle que le domicile personnel du patron de John se trouve au-dessus de la boulangerie. Je vais aller me laver dans sa propre salle de bain. Le patron complice va alors faire croire à John qu'il m'a aperçu dans sa baignoire et va lui demander de me dégager de là. Ah, mais chef, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vas-y, dégage-le. Bon. Allez, il est parti prendre un bain dans la douche au patron. Bouge, frappe-beau, frappe-beau. Mais c'est quoi, c'est là ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je prends un petit bain. Tu prends un petit bain ? Non mais attends, mais t'es pas chez toi ? Je me sentais un peu souilleux. Tu te sentais un peu souilleux ? C'est quoi, mais ça va pas ou quoi ? Tu prends pas un bain chez les gens ? Allez, sors tout de suite. Sinon, moi, je vais te sortir vite. Oh ! Allez, je te dis tout de suite. Je vous... Mais attends, je vais faire une image là, parce que j'hallucine, moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Je veux une portable de ma fille. Si vous pouvez me laisser prendre mon bain. Soit tu sors du bain, soit on va appeler les gens, tu vas voir, ils vont sortir. Là, c'est violation de domicile, là, ce que t'as fait. Je vais filmer mon pénis et je sors. Allez, sors tout de suite. Sérieux, lui ? Je me sentais souilleux. Je me sentais souilleux avec tous les composants de la boulangerie. Mais j'y suis pour rien, chef. Je pensais pas qu'il allait comme ça. What the fuck ? Je veux un caleçon neuf, d'accord ? Je veux pas français ? Non, j'ai demandé, s'il vous plaît, qu'on aille me chercher un caleçon neuf. Je ne remettrai pas mon caleçon alors que je viens de prendre mon bain. Tu vas te rhabiller tout de suite. Tu t'es pris pour qui, là ? Va te rhabiller tout de suite. Dépêche-toi, parce que là, je vais m'énerver. Je te dis tout de suite, va te rhabiller tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. Parce que là, franchement, je vais t'attraper hein, si ça continue comme ça. Hein. Parce que là, ils sont gentils tout le monde, mais moi, je vais pas rigoler avec toi. Tu te rhabilles, tu viens en pâtisserie. J'ai besoin d'un nouveau caleçon. Tu te prie pour qui d'aller chercher un caleçon ? Mais il croit que les gens ont à son service ou quoi, lui ? Déjà, t'avais pas à prendre un bain, déjà. Il est sérieux, lui ? Mais c'est qui, ce mec ? T'as fait parle de respect, il est de la haute. Il a aucune éducation, le gamin. Ça a 30 ans, ça. Ça a pas 30 ans, c'est pas possible. Et tu passes dans tellement vrai, tu cartonnes. Je te jure, ils ont jamais vu ça de leur vie. Je te jure, on va rigoler. Hein. D'ailleurs, puis payons à qui ? Là, franchement, il n'y aurait pas les caméras, je dois être à plafonner. Tu m'entends, papa ? Tu es à l'extérieur de la boutique, c'est ça ? Il y a mon père qui est dehors, est-ce que nous pouvons aller le voir avec... Non, mais j'ai pas le temps, mon grand. Voilà, c'est papa, viens. Père est là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il est où le réformateur, là ? Il est là. Monsieur Johnny, c'est ça ? C'est vous, monsieur Johnny ? John. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon fils, là ? Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas prendre une douche ? Monsieur John m'a insulté à plusieurs reprises. Moi, je t'ai insulté, moi ? Il m'a insulté. Et oui, moi, c'est 30 years old. Vous m'avez fait faire les tâches les plus ingrates. Les ingrats. Mon fils, je vais faire un... Attention, ça va partir en Il a pas à prendre un bain chez le patron. Mais pour moi, parce que si fait les tâches ingrates, faut bien qu'il se lève un peu, non ? Tu ne mets pas de bain. Moi, si je veux moi, votre boutique, enfin votre boulangerie, hop, un claquement de doigts comme ça, terminé, fermé. Merci papa. Voilà. Alors maintenant, on a aussi d'autres gens. Est-ce que vous savez qui est ? Vous savez qui je suis ? Vous savez qui il est ? Vous savez qui il est ? Est-ce que vous savez qui je suis ? Il est comédien. Parce que moi aussi, et que tout ça c'était une caméra cachée, on applaudit. Il est complice. Je rigolais, je suis pas du tout un pédant par exemple. Bon là, c'est bon, j'ai besoin d'aller fumer une cigarette. Vous m'avez bien eu, hein. Attendez, faut que je réalise. Voilà. En fait, on fait des caméras cachées régulièrement. Voilà, t'as la meilleure caméra cachée. Oh là là, il est bien. Tu sais, il disait là-haut, il connaissait du monde. Tu sais, je voulais pas en plafonner parce que je sais qu'on peut avoir des problèmes derrière. Vous étiez tous au courant, vous là, tout ça. Vous êtes sérieux, vous? Non, je vous rappelle pas de tout, mais là, il va falloir que je vous rappelle. C'est chaud. Mais là, j'ai plus de jambes. Là j'ai plus de pâte, ça m'a coupé. Quand tu chauffes tes nerfs et tout ça, tu m'attaques, c'est bon. The Rivals, vous voulez vous mettre la patate. That was funny. What's this song with Gene Dennis? Who the fuck is Gene Dennis? Let me say something real quick. Mettez-vous au boulot. Parce que vous... Oh, I don't know who that is, but... Hey, oh man, game, man.
Greg is super, 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 super funny. My eyes are itching, man. My nose is fucking itching. But yeah, man, gang, man. I love you guys so much, and I'll see you in the next video. Couple merch, teespring.com/teenamegang. Get sexy with it. Nah, I'm sorry. I love you, man. Let's get it. Okay. I think I drink too much. I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?